Aujourd'hui, je m'en réjouis. Je m'en réjouis vraiment. Je dis Dieu merci parce que c'est Dieu qui est fort. Observateur, bonsoir. Merci. Bonsoir. Le kappa, c'est quoi le kappa, dis-lui? Le kappa, c'est un gris-gris. On se met au soleil, on prend du charbon, on cherche les herbes, on brûle, et puis on se blesse avec les larmes on et les se blesse traits. Et puis on met dans nos gènes. On met dedans. Mais avant ça, on va vous dire que notre grand-père, là, quand on est né, là, notre grand-père, il nous lave, que faut pas que quelqu'un va pouvoir nous combattre. Avec le vrai canari. Attends, on va faire la démonstration. On a fait le locosué. Le vrai voilà, canari. Son prénom, c'est le locosué. Si on te lave avec ça, tu seras un vrai guerrier. Tu sais comment on appelle les gens ici? On fait comme ça. Quoi, quoi? Au lieu d'utiliser le téléphone ou bien le walkie-walkie, mon grand-père il fait comme ça. Wa-wa-go. Tu entends? Voilà, et puis il a répondu Yego. Le go, c'est pour envoyer le signal. Bonjour. Ici, machine à laver. Oui, c'est ici. C'est le coin où on lave les habits, on met sur le caillou et puis on lave. On lave. Quand c'est fini, on prend l'habit, on serre, on tire bien et puis on met ça dans. Voilà, africain. Et ça, si on prend pour te taper, ta teub, elle meurt. C'est comme pierre, feuille, ciseaux, mais elle est flippée. Bien, allez, go. Il est en train de teindre ses cheveux. Mais c'est quel genre de teinture ça là? Tu es le coiffeur? Tu es le barbeur? C'est lui le barbeur. C'est le barbeur du quartier. Il n'a pas de tondeuse. Il fait la barbe avec une brosse à dents. Quand il finit comme ça, il met au soleil. Peut-être quelques heures et puis après, tu te laves derrière la maison. On ne se lave pas dans la douche avec. Tu mets sur toi. Tu mets sur toi. C'est comme ça. Ça, ça réactive ton côté machette. Moi, par exemple, je tombe rarement malade. J'ai soit la grippe, des migraines, mais les gens, les maladies comme paludisme, fièvre, des trucs comme ça. J'ai jamais été malade comme ça. Parce que c'est bagbazrelé. C'est mon vieux qui est là, ouais. C'est ma belle qui est là, ma belle-mère. Voilà, David, David. Ah, ma soupe-bébé. Ils ont fait ça. Mais c'est normal. On met à terre. On est en fait table et dans la table pour un point. Moi, je suis en table de souhait. Tu dois. Il est agi. Ils ont 5 enfants et lui, il s'occupe des 5. C'est pas ses enfants, hein. C'est comme ça en Afrique. Mon père a adopté 5 enfants. Pourquoi tu n'as pas adopté des filles? Écoutez, j'ai tenté une expérience d'adopter filles, mais son mari même, en 6e déjà, son mari venait à la maison ici pour me menacer. Donc à partir de cet instant, j'ai refusé catégoriquement d'adopter les garçons. La tradition qu'il exige, ton père va t'offrir un gros coq vivant. Plus un vin. Plus une bouteille de vin. Je te dis bienvenue pour te souhaiter bonne arrivée, bienvenue chez nous. Tu prépares, tu vas manger demain ou bien le jour que tu voudras.
On dit, ça, si tu veux, tu vas en France avec. En tout cas, il peut devenir un bon coq de compagnie. Merci. C'est ma femme et moi qui t'offrons. Tu dis quoi? Est-ce que dans la tradition, est-ce que je peux réoffrir pour qu'il mange Non, dans la tradition, tu réoffres pas. Mais tu dis, tu as bien reçu. Mais tu veux partager avec eux. Donc là, ils vont le niquer et puis on va manger. On aimerait savoir comment il était petit. Est-ce qu'il était bagarreur? Est-ce qu'il était plutôt rigolo? Qu'il faisait plein de bêtises? Non, il était rigolo. Il n'était pas bagarreur. Il n'aime pas la bagarre. Mais c'est un petit, quand il est dans le milieu, on l'admire par sa comédie, sa façon de faire et les gens rient. Ça, depuis son enfance. Hein. Même moi, je ne sais pas qu'il faisait la comédie. Non, il ne le savait pas. Mais nous, étant parents, c'est nous qui constatons ça en lui. Deux ou trois défauts et deux ou trois qualités, les meilleures de chacun. Les meilleures des qualités, la première, c'est un petit, il est très intelligent. Brillant. Beaucoup intelligent. Ouais. Au CM2, déjà, je me souvenais, c'est son directeur même qui est mieux placé pour me le dire. L'inspecteur devait rendre visite à son établissement. Et lui, mon fils, il a été choisi par l'établissement pour donner le discours de l'école. Et non, moi-même, je me rappelle. Hein. Tu te rappelles? Oui, il a oublié tout ça. Mais voilà. Je fais le discours devant l'inspecteur. L'inspecteur, c'est le big boss de l'école primaire. Oui. Ivoirienne. Un ou deux défauts alors? Si c'est des trompes, c'est-à-dire s'il doit faire quelque chose qu'il a raté, il a raté complètement. Soit c'est ça, ou bien c'est pas ça complètement. Mais moi, c'est pas. Attends, il faut que je snap ça. J'ai demandé à mon père, c'est quoi mon défaut? C'est un garçon, s'il doit passer à côté d'un sujet, c'est complet. Ouais, je passe complètement à côté. Complètement à côté. Et ça, c'est mon défaut. Et ma qualité, c'est quoi, tu as dit? Il est un enfant très poli, très intelligent. Voilà, il dit il était brillant. Respectueux. Voilà, et ça seulement tu connais. Moi, si il respectait, lui là, il va me tuer, il va me crucifier. Il dit que c'est ma force, mais alors lui me contraignait à respecter. Tu respectes pas. Les gens, ils disent, je vais dire ça à Mani. Regarde, nous, on nous a éduqués pour avoir peur de ton père. Tu vois, en France, on éduque les gens pour avoir peur de l'étranger. Nous, il faut aimer l'étranger, avoir peur de ton père. Parce que le jour que ton père te prend, c'est l'étranger qui va te sauver. Est-ce que vous vous rappelez de sa plus grosse bêtise? Oui, je me souviens. J'étais à la maison, il y avait une bâchée. La bâchée faisait le transport Belleville-Village. J'étais à la maison, on vient me dire que non, Sora allait casser pain d'une femme qui a quitté dans son voyage. Elle avait son pain dans son truc. Elle allait casser le pain. Et j'ai cassé une partie du pain, j'ai mangé. J'ai cassé une partie du pain pour manger. Il a été incité par ses amis. L'incitation, c'est venu d'où? On regardait un film, le film Quiet Choken. Oui. Et dans le film, le gars, il fait des magies. Souvent, il disparaît, il vole des trucs. Hein. Tu vois, il y a le suspense. Donc, eux, ils m'appellent à Kwaït Chonken. Yao. Bon, pas quoi. C'est Yao qui m'a dit. Faut faire Kwaït Chonken. Donc, ça veut dire que de faire l'acteur. Donc, moi, j'ai fait l'acteur. Fiu. Et j'ai vu le pain, il a coupé le pain. Nous, on savait pas que la femme allait scandaliser. Ou un bout de pain qui a disparu. Elle a scandalisé. Ils ont volé mon pain. Et tout le village, ils ont commencé à chercher qui a volé le pain. Et moi, j'ai pris pain. Pouf, je suis parti. Et Yao qui m'a incité à faire le Kwaït Chonken. Yao s'envoie directement, doucement, les gens pour dire. C'est Kwaku qui a volé le pain. Et du coup, vu que la vieille a scandalisé, là ce n'est plus un jeu, c'est devenu un scandale international. Et j'ai dormi 2 jours dans la forêt. J'étais caché. Viens te montrer où j'étais. 2 jours j'ai dormi dans la forêt. Non, je l'ai digéré difficilement. Et je me suis fait niquer. Bien sûr, ça mérite une correction. Maurice, brillant. Aujourd'hui, je m'en réjouis vraiment. Je dis Dieu merci parce que c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Je suis très heureux. Heureux que le petit coq soit en France. Et il soit en France. Et qu'il s'en sorte. Observateur, bonsoir. Merci. Bonsoir. Il est avec nous, l'observateur. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça me fait plaisir. C'est ce qui me fait que je continue. Observateur est dans la maison. Observateur, t'es où? On va regarder un peu de bandit. Voilà. Le vin extrait de Bangui, bio, extrait des pales. Qui va te gagner un peu ça? Donc, son coq, on fait comment? On garde? C'est lui qui dit, oh, c'est son coq. C'est lui qui c'est dit. Son coq, hein, même non, si il veut partir avec vous, l'AP transport de coq là. L'AP transport de coq là pour aller en France. Au lieu de le déguster, même si c'est à l'hôtel là-bas, vous avez des amis là-bas. Non. Donc, vous faites un truc, ce qui est sûr, c'est pour toi. Mais moi, ce qui me ferait plaisir, c'est le partager avec vous. Hein. D'accord. Donc, demain, on va laisser ça ici. Quand on va aller au village à votre retour, okay, je suis prêt pour moi t'appeler. Il y a quoi il m'a Tu as entendu ce poulet là?
là, on ne peut pas le braiser, c'est trop dur. Fais le poulet là, c'est un poulet villageois bio. Tu n'as pas vu la chair, la différence, ce qu'on a mangé là. C'est un peu différent, non? C'est un peu épipé. Non, c'est poulet là, on ne peut pas le braiser. Nous là, on étudie à l'enfant, je suis un bosseur. Moi, je reconnais. Oui. Je suis un bosseur. Mais la seule opportunité pour respirer, c'est qu'il n'y ait pas de pétrole. Mais quand il n'y a pas de pétrole, lui me dit, va prendre pétrole à crédit. Au moins, tu dis, ah, il n'y a pas de pétrole aujourd'hui, je n'ai pas étudié. Je vais aller jouer, je vais aller dormir. Il dit, va chercher pétrole à crédit. Et c'est pétrole qui alimente la lampe qui nous permet d'avoir de la lumière étudiée. Et puis, tu vois, on est là en train d'étudier, la lumière ici. Et la lumière éclaire. Lui, il est dans le noir là-bas. Le problème, tu ne peux pas savoir. Voici, il te regarde ou il te regarde pas. Donc, sur les 5 heures d'études de 18h à 21h, je sais pas, tu es obligé de faire semblant. Souvent, le sommeil t'emporte, tu fais un coup de temps, go, c'est ta tête. Tu sais pas d'où le coup vient, mais tu n'as pas envie de savoir d'où le coup vient. Oui, tu sais que c'est lui seul qui est capable de faire des puteries comme ça. Regarde, un jour, je devrais aller surveiller les moutons. Quand on dit surveiller les moutons, ça veut dire empêcher les moutons d'aller au champ, d'aller manger les patates. Mmh. Donc les moutons mangeaient les patates. Dis tranquille, les moutons mangeaient les patates, il a été informé. Lui, au lieu de me frapper au champ là-bas, il m'a pas frappé. Hein. Il me dit, Kwaku, va prendre la savonnière, tu vas mettre dans la chambre. Alors que la savonnière, on met jamais dans la chambre. Donc il m'a dit, va mettre la savonnière dans la chambre. J'ai compris que le gars, il veut me niquer. Donc quand j'ai pris la savonnière, dès que je suis rentré, je me suis caché derrière la porte. Et j'entends piou. Dès qu'il est rentré, piou. Moi je suis sorti. Il dit, Eric, tu as cru que tu allais me niquer. Et j'ai fui. Mets la savonnière. On garde ça sur la patate ou bien dans la douche. Lui dit d'aller mettre dans la chambre. Lui, il cherchait un moyen de me piéger. Il me frappait rarement devant les gens. On nous frappe souvent dans la maison. Un jour là aussi, j'ai vu que lui là, il m'aime. Un jour, ils sont quittés à la chasse. Et il est quitté à la chasse avec son fusil. Et il m'a remis le fusil, va garder dans la chambre. Il avait oublié de verrouiller et d'enlever la cartouche. Donc quand je suis rentré, moi je suis bricoleur, moi je suis comme ça, ça est dans mes gènes. Donc j'ai appuyé, plac, 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 et j'ai appuyé, il a entendu, boum. Mm-hmm. Oui, de la quand chambre. Il a fait boum, il a fait qu'il a tiré. Oui, il a tiré. Quand j'ai tiré, moi je me voyais, Jean, mon papa aujourd'hui là, je suis mort, que j'ai gâté sa cartouche. Alors que lui se disait, oh putain, j'ai tué mon fils, tu vois. Et il est venu, il m'a fait un gros câlin comme ça, il dit, yeah, il a changé, hein. Câlin qui m'a fait là même là, je n'ai même pas pu profiter. Parce qu'il me dit, lui là, il a changé un coup comme ça. Parce qu'il doit me frapper, il ne me frappe pas. Mais il faut reconnaître, aujourd'hui, mon père est l'exemple au village. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, moi j'aurais dû frapper mon fils là aussi, j'aurais dû le corriger. Tout le monde veut faire comme mon père, mais c'est trop tard. Lui là, là, lui c'est l'armée avec lui. Hein. Il faut être carré, pointueux. Quand tu le vois qu'il arrive, tu sais pas, tu vas prendre quelle position. Si tu vas t'asseoir, tu vas te lever, tu te regardes, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un défaut sur moi? J'avais un modèle. Moi, je ne suis pas allé très loin dans les études. Mais à ce moment où lui, il faisait le primaire avec moi au village là-bas, il y avait un monsieur qui partait chez nous là-bas. Molière. Il me saoulait avec ce monsieur. Il dit, faut devenir comme Molière. Il faut aller en France. C'est vrai. Allez, continue l'histoire. Et donc, ce monsieur-là, je voudrais que mon fils soit comme lui. En tout cas, Dieu a fait de façon que même s'ils n'ont pas eu les mêmes choses, aujourd'hui, mon fils est en France. C'est mon registre, c'est fini. Mais même si je suis mort là, en tout cas, je sais que ce que j'ai dit, Dieu a exaucé ma prière. Voilà. Et puis, tu vois, il m'a jamais appelé par mon nom. Kwaku, c'est quand j'ai eu le bac qu'il a commencé à m'appeler. Il m'appelait Djamwe. C'était mon ami. Il a dit, c'est mon ami. Il m'a raconté une histoire, j'ai pas oublié. Il a le vent de palme là. Lui, il avait des palmiers dans son champ. Donc, il allait extraire. Donc, on avait besoin de feu. Donc, il y avait un bois, le feu était ici normalement quand on commençait. Donc quand le feu est ici, tu peux attraper par là, te déplacer à le bois. Donc il a déposé le bois et on est allé ailleurs. Et puis il m'a dit, va me chercher le feu. Et moi je suis arrivé, le feu avait déjà pris tout le bois. C'est-à-dire je ne pouvais plus attraper. Et j'ai fait une stratégie d'une branche pour attraper. Et quand je lui ai envoyé, il n'a pas touché le feu. Il s'est arrêté, il m'a regardé comme ça. Il dit, mais il m'a regardé comme ça. Il n'a pas pris le bois. Il me regardait, je ne comprenais pas. Il dit, mais comment tu as fait? Parce qu'il était petit et d'avoir une si grosse intelligence pour soulever ce truc-là. Il dit, mais Kwaku, tu es épipé. Bien sûr. Moi, en tant que père, j'ai décelé en lui une intelligence. Florent, c'est toi qui as fait découvrir à ton papa Abidjan? Abidjan, il ne connaissait pas. Abidjan n'est jamais parti. Même Yamoussoukro, mais il ne connaissait pas. Non, je connaissais Yamoussoukro de passage. Donc, c'est moi qui l'ai fait découvrir Abidjan. Donc là, il attend de décoller pour la France aussi. Bien sûr. Il va aller me rendre visite là-bas. C'est mon souhait. Inch'Allah. Les papiers français. Peut-être que tu n'avais pas le papier français, moi j'ai fait le papier français. Il est en France, va te trouver là-bas. Ok. Je le souhaite bien. Bangui, il y en a en France? Non. Je ne sais même pas ce que c'est Bangui. Bangui importé? C'est l'alcool local, c'est bio.
c'est pas ce qu'on a vu là-bas, Koutoukou là. Koutoukou, même mon père ne boit pas. Koutoukou, c'est violent. C'est 100% en degré, non? Non, il n'y a même pas de degré. 100% au moins, c'est limité. Il n'y a même pas de degré. Ça ne pas moi, hein? Nouveau, on a quoi petit nouveau? Quel mon petit stylé, tiens. Maintenant, je suis stylé, je ne prends plus ça. Moi, le vieux là, je vendais à lui, je vendais les rallonges, je faisais la caisse à lui. C'est mon premier patron quand il était en 6e, quand il ne va pas à l'école. Bonjour les amis, au rapport, Quentin de France s'est fait piquer par deux moustiques. Je suis très stressé d'attendre les effets secondaires parce que lui il stresse déjà, écoute que les moustiques là, ils mangent l'eau. Là j'étais toujours assis au premier banc. Toujours assis au premier banc. Pour retourner même, là, il sait comment on fait les retours.